parti. Quand tu veux. Alors c'est un grand jour aujourd'hui, cette pose de première pierre. C'est un grand jour pour l'agglomération lyonnaise. Vous voyez ce stade qui va s'élever demain ici, qui va rayonner lors des grands matchs européens, internationaux, qui se disputeront ici. On se dira, Lyon, c'est une belle ville, c'est une grande ville. C'est une ville qui a à la fois une histoire, mais en même temps qui s'est construit son avenir. Et donc, pour nous qui nous sommes battus pendant 7 ans pour faire surgir ce stade, évidemment que c'est un moment important. Il a fallu batailler. Hein, parce que, oui, il a fallu batailler, mais c'est toujours comme ça pour les grandes visions, pour les grands projets. Je dirais tout à l'heure, dans mon discours, il y a un proverbe latin qui dit « ad augusta per angusta ». Ça veut dire « pour atteindre le ciel, il faut passer par des voies étroites ». Il faut combattre pour pouvoir imposer une vision de l'avenir. Eh bien, nous avons mené ces combats et demain, notre vision d'avenir va devenir réalité. Ce sera un stade moderne, ce ne sera pas un stade has-been. Ah non, ça sera un stade moderne et on va faire en sorte, dans la construction, que les technologies les plus modernes puissent effectivement être utilisées dans ce stade. Vous voyez, je pense que les gens, par exemple, qui regardent un match, ils ont envie de pouvoir regarder tout de suite le but qui a été marqué. Il faut qu'on puisse le faire dans ce stade. Vous savez d'ailleurs que c'est un stade d'une nouvelle génération où il y aura des bars, des restaurants. Ça ne sera plus le type de stade des années 50 ou même des années 20-30, comme l'était par exemple le stade de Gerland. Non, stade nouvelle génération, stade du 21e siècle. Et depuis Lyon-Centre, on va pouvoir venir facilement ici à Décines ? Bien sûr, vous aurez par exemple le tramway qui arrivera juste sur le parvis devant le stade avec des rames de tramway complètes. Vous aurez l'aménagement de deux parkings aux alentours du stade dans lequel on ira en navette. Parce que vous voyez, quelquefois les gens disent « oui, mais il n'y a pas assez de place de parking sous le stade ». Mais si vous avez trop de place de parking dans un même lieu, vous ne pouvez plus évacuer le stade. Et donc, les problèmes de mobilité étaient pour nous des problèmes importants. Et donc, c'est même les premiers problèmes auxquels nous avons pensé. Voilà. Merci.